Président, 26 ans après l'absence de la Coupe de l'ambassade de Corée, vous pouvez nous en dire un peu plus, ce grand retour? C'était un grand retour que nous attendions depuis, nous les organisateurs et les athlètes. Après 26 ans, c'était une longue attente. Aujourd'hui, l'ambassadeur de Corée nous a refait confiance aujourd'hui, a refait surface pour l'organisation de cette coupe par le biais de la Fédération Gabonaise de Taekwondo. Donc, nous lui en remercions. C'est un grand retour que tout le monde attend. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande fête. Vous-même, vous le remarquez. Les athlètes sont en jambes, se sont préparés pour cela. Et ils sont très contents pour le retour de ce grand événement. Président Mouillon, mais là, par contre, on constate un manque d'engouement, ou bien peut-être si je me trompe. Bon, c'est la première édition. La première édition a été beaucoup rétrécie. L'ambassadeur, les organisateurs ont demandé 16 équipes. Donc les 16 équipes, on a essayé de satisfaire toutes les équipes dans le Gabon parce qu'il fallait rejoindre toutes les 9 provinces. Donc ces 16 équipes-là, c'est ce qu'on a pu retenir. C'est pourquoi vous constatez qu'il n'y a que 16 équipes qui sont là. Mais on espère que la prochaine édition aura plus d'équipes pour la prochaine édition. Je vous remercie, M. le Président. Merci.